Dieu vous bénisse tous, mes bien-aimés, frères et sœurs. May God bless you all, my beloved brothers and sisters. Nous sommes encore dans la joie. We are again in joyful. D'être dans la présence du Seigneur. To be in the presence of the Lord. Pour nous, ce n'est pas une habitude. For us, it's not a habit. Mais c'est vraiment une opportunité que le Seigneur nous accorde tous. But it's truly an opportunity that the Lord gives us to all. Parce que vous savez, nous sommes à la fin. Because we know that we are at the end. Et nous n'avons pas où d'autre aller. And we don't have anywhere Amen. Else to go. Si ce n'est de venir Amen. Auprès de notre Seigneur. Unless it's to come near our Lord. Parce Amen. Que la fin de toutes choses est proche. Because the end of all things are near. Et le retour du Seigneur And the return est vraiment of the Lord imminent. Is very imminent. Oui. Amen. Alors tous ceux-là qui attendent le Seigneur so, all those that are waiting for the Lord doivent vraiment prendre leur préparation Amen. Au sérieux. Must really take their preparation seriously. Oui, un jour yes, one day, la grâce dont nous confessons the grace that we are confessing aura sa fin. Will have its end. Et comme nous avions toujours parlé and as we have always spoken, et entendu parler and have heard been spoken, par rapport aux vierges, in accordance to the virgins, ils étaient tous 10, they were all 10, et toutes les 10, and all the 10, ils étaient dans la tente. They were in the tent. No, they were waiting, for the groom to come. For the groom to come. They were waiting. Mais il y avait cinq qui étaient sages. But there were five that were wise. Et il y avait cinq qui étaient folles. And there was five that was foolish. Et la différence qu'il y avait. And the difference that there was. C'est que par rapport aux deux, eux tous ils avaient des lampes. Was that between the two groups, all of them had lamps. Mais les autres, but ceux the, qui étaient sages. But the ones that were wise. Avaient des huiles en réserve. Had oil in reserve. Donc nous sommes ici so we are here, comme ces vierges. As these virgins. Amen. Maintenant chacun Now each one doit savoir must qui elle est réellement. Who they are really. Oui, venir à l'église. Yes, to come to church. Nous aimons ça. We love doing it. Parce que c'est une recommandation. Because it's a recommendation. Des croyants. Of believers. C'est un devoir. It's a duty pour les croyants for believers d'aller à l'église, to go to church, écouter la parole, and to listen to the word, et de se préparer, and to prepare, parce que la parole que nous écoutons, because the word that we are cette listening parole to, nous sanctifie. This word sanctifies us. Et un vrai croyant, and a true believer, ne peut pas vivre, cannot live, sans l'écoute de la parole, without the listening of the word, parce que c'est là. Because it's there que Dieu envoie ses bénédictions. That God sends his blessings through. Et pour nous, and for us, nous avons compris, we have understood, comme on chantait, as we were singing, where could I go? Where could I où go? Où irais-je encore? Where could I go? Où irais-je encore? Where could I go? Pierre a dit, Peter said, à qui irions-nous encore, who Seigneur? Will we go to again, c'est Lord? Toi qui as les paroles. It's you who has the word. Donne la vie éternelle. That gives eternal life. C'est pourquoi on est là, bien-aimé. That's why we are here, beloved. Comme le frère disait, as the brother was saying, l'Écriture dit, the scripture says, que là où il y a deux, that where there were ou two, trois, or three, le Seigneur ne veut pas des millions. The Lord does not want millions. Mais il a dit but deux he said, ou trois. But he said two or three. Et il sait pourquoi il avait dit ça. And he knows why he has said this. Parce que beaucoup iront. Because many will go. Là où on prêche. Where they are preaching. Des choses. Things. Qui font des démangeaisons. That do pleasing. Preaching that please. They are pleasing them. Mais nous voulons une parole. But we want a word. Qui nous plaît. That pleases on us. Est dans la joie d'écouter la parole. We are joyful to listen to the word. Mais en même temps, but in the same time, si cette parole peut nous corriger, if this word can correct us, si cette parole peut nous ramener dans les voies de Dieu, if this word can bring us back to the ways of God, that's what we're seeking c'est for. C'est ce qui fait la différence. That's what makes the difference entre les vierges folles et les sages. The foolish virgins and the wise virgins. Les folles attendaient. The foolish were waiting. Mais ils se relaxaient un peu beaucoup. But they were relaxed a bit. Oui. Les sages aussi attendaient. The wise were also waiting. Mais ils étaient prudents. But they were prudent. Ils étaient vigilants. They were vigilant. Nous voulons être vigilants. We want to be vigilant. Parce qu'il n'y a plus de temps. Because there is no more time. Si nous lisons, if we read, dans 1 Pierre 4, in 1 Peter 4, nous allons voir. We will see. Nous verrons comment le Seigneur va nous conduire. We will see how the Lord will lead us.
Le mot vigilant, the word vigilant, a touché mon esprit, has touched my spirit, et que Dieu soit loué. And may God be praised. Nous allons commencer avec cette écriture. We will start with the scripture. Et voir comment le Seigneur va nous conduire. And see how the Lord will lead us. Pierre 4. 1 Peter 4. Verset 7. Verse 7. La fin de toutes choses est proche. But the end of all things is at hand. Soyez donc sages et sobres. Be ye therefore sober. Pour vaquer à la prière. And watch unto prayer. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente amour. And above all things, have fervent charity car among yourselves. Car l'amour couvre une multitude de péchés. For charity shall cover the multitude of sins. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Use hospitality one to another without grudging. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. As every man have received the que gift. Que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. As every man have received the gift, even so minister the same one to another. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. As good stewards of the manifold grace of God. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. If any man speak, let him speak as the oracles of God. À qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, Amen. To whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Amen. Prions. Pray, beloved. Dieu notre Père. God our Father. Nous voulons, Seigneur, we want to, Lord, que tu puisses ajouter des bénédictions sur cette portion de l'écriture que tu veux nous donner. That you may add blessings on this Seigneur, portion of the scripture encore ce soir. Given. Lord, lead us again this Donne-nous evening. Ta parole, Seigneur. Give us your word, Lord. Et inspire-nous, Seigneur. And inspire us, Lord. C'est ainsi. Circumcise. Mes frères qui vont écouter, my brethren who will listen. Aussi mes lèvres, moi qui vais parler. Circumcise my lips, Lord, who will speak. Jamais, Seigneur. Sorry. Mais toi, prends contrôle de toutes choses. Take control of everything. Take control of everything. Et conduis-nous, Seigneur. And lead us, Lord. Par ton esprit. By your spirit. Seigneur, laisse que ta volonté Lord, puisse se faire au milieu de nous. Lord, let your will take us firmly. To lead us in everything. To lead us in everything. Et laisse que toute la gloire and let every glory retourner, Seigneur, return to you, tout Lord. Ce qui se fera en ces lieux. For everything that will take place in this place. Laisse que ta volonté, Seigneur, soit notre volonté. Let your will be our will. Laisse que ta parole soit notre parole. Let your word be our word. Laisse que ta vie soit notre vie. Let your life be our life. Que tout ce qui est à toi soit à nous, Seigneur. That all that belongs to you may belong to us. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, we have prayed. Amen. 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 Lisons, pouvez-vous asseoir, bien-aimés. Lisons Romains 13. Let's read Romans 13. Romains 13, Romans à partir du verset 10. From verse 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. Love worketh no ill to his neighbor. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Therefore, love is the fulfilling of the law. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. And that knowing the time that now it is high time. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. To wake out of sleep. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. For now is our salvation nearer than when we believed. La nuit est avancée. The night is far spent. Le jour approche. The day is at hand. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Let us therefore cast off the works of darkness. Et revêtons les armes de la lumière. And let us put on the armor of light. Marchons honnêtement comme en plein jour.
Let us walk honestly as in the day. Loin des excès et de l'ivrognerie. Not in rioting and drunkenness. De la luxure et de l'impudicité. Not in chambering and wantonness. Des querelles et des jalousies. Not in strife and envy. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. But put you on the Lord of Jesus Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. And make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Oui, bien-aimé. Yes, beloved. Nous sommes réellement à la fin de toutes choses. We are really at the end of all things. Et nous qui vivons en ces temps de la fin, and we who are living in this time of the nous end, savons réellement dans quel temps nous sommes. We know what time we are really in. Mais vous savez les apôtres, but you know the apostles, qui nous ont écrit ces choses, that have written us these things, et dans leur temps, and in their time, ils parlaient déjà de la fin. They were already talking of the end. Ils parlaient déjà de la fin. They were already talking about the alors end. Que l'église primitive n'était qu'en son commencement. The church only primitive church was in the beginning. Mais ces gens, but these people, à qui le Saint-Esprit avait été envoyé, to whom the Holy Spirit was sent, ces gens prenaient les choses de Dieu au sérieux. These people took God's things seriously. Et ils ont dit, and they said, qu'ils étaient déjà à la fin. They were already at the end. Mais il y a 2000 ans passés, but 2000 years passed, nous aussi, nous pensons qu'il y aura encore d'autres 2000 ans. We think there may be even 2000 years more. Mais malheureusement, but, unfortunately, nous sommes la dernière église. We are the last church. Nous vivons, we live in, dans les temps de la fin. In the end time. Cet âge, this, this age of Laodicea, c'est le dernier âge de l'histoire de l'église. It's the last age of the story of the church. Mais les gens d'Éphèse, but the people of Ephesians, et ils disaient, they were saying, que c'était la fin. That it was the end. Si nous lisons apôtre Jean, if we read Apostle John, dans Jean 1, in John chapter 1, non, pardon. Sorry. Lisons l'apôtre Jean, mais dans Apocalypse chapitre 1. Apostle John, but in Revelation chapter 1. Au verset 1, il est écrit, verse 1, it is written, révélation de Jésus-Christ, the revelation of Jesus Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs, which God gave unto him to show unto his servants, les choses qui doivent arriver bientôt. Which show things which must surely come to pass. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange, and he sent and signified à son serviteur Jean, unto his servant lesquels John, lesquels attestaient la parole de Dieu, who bear record of the word et of God, le témoignage de Jésus Christ, and of the testimony of Jesus Christ, de tout ce qu'il a vu, and of all things that he saw. Heureux celui qui lit, blessed is he that et readeth, ceux qui entendent les paroles de la prophétie, and they that hear the words et of the prophecy, qui gardent les choses qui sont écrites, and keep those things which are written, car le temps est proche, for time is at hand. Et il disait que le temps était proche, that the time is at hand. Ephésiens 4, Ephesians 4, voyons un peu, we see a bit. Dieu a fait des grandes choses pour nous. God has done great things for us. Amen. Nous ne sommes pas un peuple, we aren't a people, qui vit dans l'ignorance, that live in ignorance. Mais nous sommes un peuple, but we are people, qui a été vraiment averti, that have been really warned. Et la présence d'un prophète sur la terre, and the presence of a prophet on the earth, c'est que Dieu donne l'avertissement au peuple. God gives a warning to the people. Et après quoi vient le jugement? After the judgment. Yes. Et en ces temps de la fin, and in this time nous of tous the end, croyant du message, we all believe the nous message, savons que le Seigneur, we all believe, you believe the message, nous a envoyé, we believe that the Lord has un messager, a messenger, oui, son prophète, his prophet, avec la parole de Dieu, with the word of God. Amen. Les prophètes, the prophet, viennent avec la parole de Dieu, comes with the word of God. Ce sont des oracles de Dieu que Dieu donne à ses prophètes, that God gives to his prophets, pour que ses prophètes apportent le message au peuple, so that these prophets may bring these words to the people, et que ce peuple qui vivent en ces temps-là, and the people who are living in the time there, ne puissent pas manquer le temps de leur visitation, may not miss the time of their visitation. Yes.
Et c'est ce que nous ne voulons pas manquer. And that's what we do not want to miss. Vous savez, il y a une chose. You know, there is one thing. Quand les oracles de Dieu sont proclamés, when the oracles of God are proclaimed, les gens écoutent toujours. People always listen. Mais qui croit cela? But who believes this? C'est comme Esaïe 53, like Isaiah que mon frère avait mentionné, that my brother has mentioned, qu'on a écouté le dimanche, that we heard on Sunday. Qui a cru? Who has believed? À ce que nous avons prêché. To what we have preached. Le prophète Esaïe, Isaiah, à qui les oracles de Dieu étaient donnés, to who the oracles of God were given. Ce prophète, this prophet, Dieu lui avait envoyé, God sent him, mais il prophétisait des choses, but he was prophetizing things, qui devaient arriver, that were meant to come, à un temps marqué, in a specific time. Et le prophète a dit, qui a cru, and the prophet says, à ce que nous avons annoncé, to what we have announced, et à qui la main de Dieu était révélée, to whom the hand of God was revealed to. Parce que vous pouvez écouter, because you can believe, et ne pas avoir la révélation, you can listen and not have revelation, et cela peut vous amener loin, and that will take you far away. Yes. Vous savez aujourd'hui, you know, today, cette même Bible, this same Bible, les catholiques disent, the Catholics were saying, oh, cette Bible, oh, this Bible, c'est nous qui avons écrit ça, it's us who have written it, c'est nous qui avons amené ça partout dans le monde, it's us who have brought it everywhere in the world. Quand les protestants ont pris la même Bible, when the Protestants, et aussi ils ont Bible, dit, au nom des catholiques, nous ont induit en erreur. Et aussi ils sont sortis de l'église catholique, they also came out of the parce qu'ils voulaient the protester. Because they wanted to protest. Et aussi, also, ils sont allés, they also went, il y a eu des pentecôtistes qui sont sortis, they were pentecôtistes, et il y a eu des églises and et des organisations, churches and organizations, comme des champignons aujourd'hui dans le monde, as mushrooms today in the world. Amen. Dieu, God, n'est pas devenu catholique, has not become a Catholic, parce qu'il y a un Père Saint qu'on doit s'agenouiller devant lui, there's a Holy Father we must kneel down before him. Le Seigneur a dit, n'appelez personne, do not call anyone, sur terre votre Père. Amen. Sorry. Do not call anyone on earth your father. Amen. Parce qu'il n'y a qu'un seul Père. Because there is only one Father. C'est le Père que notre Seigneur Jésus-Christ, it's our Father that Jesus est venu Christ nous révéler. That came to reveal to us. Quand les disciples ont demandé au Seigneur, when the disciples asked comment the Lord, ils devaient prier, how they were meant to pray, parce qu'ils ne savaient pas comment prier, because they did not know how to pray. Même jusqu'aujourd'hui, even until today, l'Écriture dit dans Romains 8, the scripture says in Romans 8, que nous ne savons même pas ce qu'il nous faut demander dans nos prières. That we do not even know what to ask mais in our prayers. Mais faut que le Saint-Esprit, but the Alleluia, Holy Spirit, qu'il vienne dans un homme, must come in a man, pour qu'il puisse aider l'homme, so you can have two. La Bible dit que l'Esprit là, that the Bible says c'est that l'esprit de la vérité, is the spirit of the truth. Amen. L'esprit de la révélation, the spirit of the revelation. Quand il vient dans un homme, when he comes in a man, c'est pour qu'il puisse les révéler des choses de Jésus Christ, so that he can reveal to him things of Jesus Christ. Parce qu'il dit Jésus lui-même, because he said Jesus himself, dans Jean 16, in John 16, que quand le Saint-Esprit viendra, when the Holy Spirit will come, lui vous convaincra, he will overcome you, du péché, he says of sin, il vous convaincra, and you will overcome you. De la justice, of justice, il vous convaincra, he will overcome you. Du jugement, of judgment. Et lui, le Saint-Esprit, and him, the Holy quand Spirit, il viendra, when he will come, il vous révélera des choses. He will reveal things to you. Mais les choses qu'il va vous révéler, but the things that he will reveal to you, il ne parlera pas de son propre chef. He will not talk of his own manner. Regardez le Saint-Esprit qui vient. You see, the Holy Spirit c'est le come. Seigneur lui-même qui vient vivre dans l'homme. It's the Lord himself coming mais to live in man. Mais quand le Saint-Esprit vient vivre but dans l'homme, when the Holy Spirit comes to live le Saint-Esprit in man, vient pour glorifier Jésus. The Holy Spirit comes to glorify Jesus. Lisons un peu cela. Let's just read this a bit. Au lieu de parler seulement, disons, just talking, voyons cela. Let's see this. Oh, que Dieu soit loué. May God be praised. Regarde ce que le Seigneur disait. Listen to what the Lord was saying. Au verset 12, il dit, in John 16, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. I have many things to tell you. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. But you cannot bear them now.
Verset 13. Verse quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. The spirit of truth. L'esprit de Dieu ne dit pas de mensonges. The spirit of God does not tell lies. L'esprit de Dieu. The spirit of God. C'est l'esprit de vérité. Is the spirit of truth. Amen. L'esprit de Dieu. The spirit of God. Ce n'est pas un esprit de compromission. It's not a spirit of compromising. Non. No. L'esprit de Dieu. The spirit of ne God. Ne dit que la vérité. Only tells the truth. Quand l'Esprit de Dieu, when the Spirit of God, lui-même était sur la terre, was on the earth himself, c'est-à-dire, it means le Père dans Jésus-Christ, the Father in Jesus Christ, Jésus disait, Jesus was saying, en vérité, je vous l'ai dit. Verily, verily, I say unto pourquoi you. Pourquoi il disait en vérité? Why was he saying verily, verily? Parce que Jésus lui-même, because he, dans Jesus Jean 14, in John 14, il s'est présenté à ses disciples. He presented himself to his disciples, and he said, moi, je suis le chemin. I am the way. Moi, je suis la vérité. I am the truth. Il est la vérité. He is the truth. Il ne dit pas seulement la vérité. He does not only say mais the truth. Mais lui-même est la vérité. But he himself is the maintenant, truth. En tout homme. Now in all man. En tout homme que le Saint-Esprit habite. In all men that the Holy Spirit cet lives homme in. Ne peut que dire la vérité. This man can only tell the parce truth. Parce que c'est un esprit. Because it's a spirit. Qui te convainc du péché. That overcomes you of sin. Ça te convainc de l'incrédulité. It overcomes you of unbelief. It convinces you la of unbelief. La personne qui le Saint-Esprit habite. The person in which the Holy Spirit lives il in. Il ne peut pas croire des mensonges. He cannot believe in lies. Il ne peut pas croire des interprétations. He cannot believe in interpretation. Parce que Dieu. Because God. Lui a donné un filtre. Has given him a filter. Oui, le filtre d'un homme qui réfléchit. A filter of a man who reflects. Ça c'est une prédication. That's a du prophète. Il dit le filtre d'un homme qui réfléchit. He says the filter of a man who reflects. C'est-à-dire que quand une parole sort, that means when a word comes et out, si cette parole-là, and on this word there, n'est pas en accord avec la parole de Dieu, is not in accordance with the word of God, l'enfant de Dieu dit, the child of God says, ça, ça ne vient pas de Dieu. This does not come of God. Parce que nous, because us, nous ne croyons que ce que disent les Écritures. We only believe what the scripture says. Pourquoi nous voulons seulement croire ça? Why do we only want to believe? Parce que nous this? Savons que c'est Dieu. Because we know that it's God. Cette parole c'est Dieu lui-même. This word is God himself. Mais en une forme écrite. But in a written form. Mais nous respectons Dieu. But we respect God. Yes. Quelqu'un qui respecte Dieu. Someone who respects God. C'est celui-là. Is him. Qui prend chaque parole. That will take each Seigneur. Word seriously. Il ne joue pas avec. He does not play with them. Quand l'Écriture dit que la fin de toutes choses est proche, when the scripture says that the end of all things is near, that's what God is saying. Considérez cela. Consider this. Ce n'est plus le temps de jouer. It's not longer the time to play. Ce n'est plus le temps de perdre it's le temps. It's not longer time to lose time. Non. No. Wasting our time. It's no longer time to waste non, time. C'est le temps. It's the time. De vraiment sonder les Écritures. To truly search the scriptures. Amen. Et demander à Dieu. And ask God. Remplis-moi de ton esprit. Fill me with your spirit. Pour que je comprenne ces choses. That I may understand these things. Ces choses. These things. Jésus parlait en parabole. Jesus was speaking of them in parables. Amen. Il faut que l'esprit vienne. And the spirit must come. Pour t'aider. To help à comprendre les choses de Dieu. To understand the parce things of God. Parce que ce sont des choses profondes. Because they are deep things. Mm-hmm. Amen. Amen. Il dit. He says. Verset 13, il dit. Verse 13 says. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. He will guide you into all car truth. Il ne parlera pas de lui-même. For he shall not speak of himself. Yeah. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. But whatsoever he shall hear, et he il shall vous speak. Annoncera les choses à venir. And he will show you things to come. Il me glorifiera. He will glorify ici you. C'est Jésus qui parlait. This is Jesus that was et speaking. Jésus dit and Jesus said que quand le Saint-Esprit va venir, that when the Holy Spirit will come, il ne dit pas qu'il va glorifier le Père. He did not say mais he will glorify il the Father. Me glorifiera. But he will glorify me. Amen. Parce que le Père et le Fils sont un. Because the Father and Son are one. Mm-hmm. Et il dit. And he says. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Et il vous l'annoncera. And he will take what belongs to me and announce tout it to you. Tout ce que le Père a est à moi. All that the Father has is in me.
C'est pourquoi j'ai dit, alléluia, that's why I said, qu'il prendra ce qui est en moi what is in me, et vous l'annoncera. And he will announce it to you. Voilà que nous, now see us, si nous pouvons nous mettre ici, if we can put ourselves here, on ne peut pas se glorifier nous-mêmes. We cannot glorify ourselves. Parce qui sommes-nous? Because we are us. Who are we? Qui sommes-nous? Who are we? Des hommes faibles. Weak men. Nés dans le péché. Born in sin. Consisté dans l'iniquité. Consisted in iniquity. Il n'y a rien de bon qui peut sortir de nous. There is nothing good that can come out of us. Ce qui nous fait parler. All that makes us speak. La Bible dit que c'est poussé. The Bible by the Holy que Spirit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. That men have spoken of si the word parlons, of, part of God. C'est parce que nous avons cru. If Amen. We speak, it's because et we si have nous believed. Avons cru, and if we have believed, c'est par la grâce de Dieu. It's by the grace of God. Même la foi, even the faith, est un don de Dieu. Is a gift on God. Yes. Ephesians 2, Ephesians 2 verse 8, dit, verse 8 says, vous êtes sauvés par la grâce. You are saved by grace. Et c'est par les moyens de la foi. And it's by the ways of the faith. Et cela ne vient pas de vous. And that does not come from you. C'est un don de Dieu. It's a gift from God. Ce n'est pas par les œuvres. It's not by the works. Afin que quelqu'un puisse se glorifier. That someone may glorify themselves. Non, mais c'est lui à but qui a celui à celui à qui Dieu a fait grâce. But it's to him who God has et il a given donné grace. Le don de la foi. He has given them the gift Amen. Of the faith. À celui-là après qu'il aura cru. To who, to him Dieu who lui donnera de son esprit. God will give him his spirit. Pour qu'il soit un vrai témoin. So that he may be a true witness. Si tu as le Saint-Esprit en toi. If you have the Holy Spirit tu in you. Tu deviendras un témoin de Jésus. You will become a witness of Jesus. Si quelqu'un dit. If someone says. Que j'ai le Saint-Esprit. That I have the Holy Spirit. Mais sa bouche est fermée. But his mouth is closed. Il doit se poser des questions. He has to ask himself questions. Yes. Oui. Yes. Bien-aimé. Amen. Oui. Yes. Ta bouche. Your mouth. Va commencer à parler. Start to speak. Mm-hmm. Parler de qui? Speaking of who? De Jésus. Of Jesus. Yes. Annoncer Jésus. Announcing Jesus. Il va annoncer Jésus. He will announce Jesus. Donc ne peut glorifier Jésus. Sorry. Ne peut glorifier Jésus. The only way to glorify Jesus. No. Someone who can glorify someone Jesus. Can glorify Jesus. Que celui-là may him à qui le Saint-Esprit habite. To who the Holy Spirit lives in. Si le Saint-Esprit n'habite pas. If the Holy Spirit does not live. Vous verrez que l'homme se glorifiera lui-même. The man will glorify himself. Et l'homme ira même de prendre, il ira prendre la parole de Dieu. And he will take the word of God. Et il va sortir ses propres doctrines. And he will give out his own doctrine. Qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu dit. That have nothing to do with what God says. Vous savez les dangers. You know the danger. Que nous disons toujours. That we always say. Des gens du message. The people of the message. C'est la connaissance. It's c'est la knowledge. Lettre. It's the knowledge. Oui. Des vierges sages. The wise virgins. La différence. The difference. C'était qu'ils avaient de l'huile. Is that they had oil. Et lui typifie l'esprit. And the oil is representing the spirit. Et tous ils avaient des lampes. They all had lamps. Oui. L'écriture dit dans Psalm. The scripture says in Psalm. 119 verset 107. Psalm 119. Que cette parole est une lampe sous nos pieds. That this word is a lamp on une our lumière. Feet. A light. Qui éclaire nos sentiers. That enlightens our way. Mais la parole tout le monde peut la voir. But the word everyone can have it. Mais la révélation. But the revelation. C'est une autre chose. Is another thing. La Bible dit que la révélation de tes paroles est claire. The Bible says that the revelation of your words enlightens. Oui, ça éclaire. It enlightens. Yes. C'est éclair celui-là. This qui était dans les ténèbres. It enlightens that et one that was in the dark. Vient, and when the light comes. La lumière comes, vient pour l'éclairer. The light comes for the enlightenment. So that they may see. Amen. Et voir dans le langage de Dieu. And see in the language of God. C'est comprendre les voies de Dieu. To understand. C'est to understand comprendre la volonté de Dieu ways pour of toi. God. Is to understand the will of God for you. Et l'apôtre Paul priait. And the apostle Paul was praying. Pour nous. For us. Amen. Il dit la vie, combien nous croyons. He said, how much do we believe? Il rendait témoignage. He was bearing witness. Des frères. Of brothers. Lisons un peu cela. Let's read this a bit. Je voulais lire Ephésiens. I wanted to read Ephésiens. Mais on n'avait pas encore lu ça, mais but lisons. We haven't read this yet.
Lisons verset 13. Ephésiens 1, verset 13. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, l'évangile de votre salut, the gospel of your salvation. Oui. Yes. Cet évangile éternel, this eternal gospel, c'est un évangile de la vérité. It's a gospel of truth. Et qui est la vérité? And who is the truth? C'est Dieu. It's God. C'est Jésus-Christ qui est la seule vérité. Who is the only truth. Et lui a dit, and he said, tout homme est menteur. All man is liar. Il n'y a que Dieu qui dit la vérité. There is only God who tells the truth. Amen. Et il dit, and he said, en lui vous avez, en lui, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. In whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Lequel est un gage de notre héritage. Which is the earnest of our inheritance. Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Until the redemption of the purchased possession. À la louange de sa gloire. Unto the praise of his glory. C'est pourquoi. That's why, moi aussi, wherefore I ayant also, entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, after I heard of your faith in the Lord et Jesus, de votre charité, and love pour tous les saints, unto all the saints. Oui, nous avons lu, yes, we have read, dans 1 Pierre 4, in 1 Peter 4, que nous devons nous aimer ardemment, that we have to love each other fervently. Le lundi, the Monday, nous avons parlé de l'amour. On Monday we spoke of love. Que ne devez rien à personne. That, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. That it means nothing to anyone unless you love one another. Et c'est ce que Dieu nous demande. And that's what God is asking of us. Dans Romains 13. In Romans 13. Nous avons encore lu la même we chose. We have also read the same thing. C'est l'amour. It's the love. L'amour ne fait point du mal à ton prochain. The love does not hurt your neighbor. Amen. Oh que Dieu déverse de son amour dans nos cœurs par son esprit. May God put His love in us from His Spirit, pour qu'on arrive so that we may be à able supporter. To support each other, pour qu'on arrive so that we may be être able patient les uns envers les to autres. Be patient with one another, pour qu'on arrive so that we may à être humble devant ton frère, to be devant humble ta soeur. Before your brother or your sister, pour qu'on arrive so that we may be à able faire miséricorde les uns les autres. To grant mercy Amen. To one another. Amen. Pour qu'on arrive à pardonner so that we may be able to forgive comme le Seigneur nous a pardonné. As the Lord has forgiven us. L'Écriture dit dans Colossiens 3, là où nous avions lu les lundi. The Scripture says in Colossians 3, where we read on Monday. Il dit, soyez reconnaissants. Be thankful. Oui, soyons reconnaissants. Be thankful. Pourquoi la reconnaissance? Why thankful? Why si le Seigneur t'a pardonné. If the Lord has forgiven you. C'est-à-dire que tu n'avais rien de bon. That means you had nothing of good. Et le Seigneur a eu pitié de toi. And the Lord had pity upon you. Tu es aujourd'hui appelé sœur. You are now called tu es aujourd'hui sister appelé today. Frère. You are called brother today. Parce que Dieu t'a fait grâce. Because God Amen. Has granted you grace. Amen. Nous aussi. Us, nous we étions also, des rebelles. We were rebels. Qui a oublié là où Dieu l'a ramassé? We forgot where God picked us up from. Yes. Who has forgotten who has where forgotten? God has taken him yes. or her? Mm-hmm. Hein? Dans la boue, in the mud. In the mud. Dans la saleté. In the dirt. Dans la souillure. In the souillure filthiness. In the filthiness. Qui a oublié? Who has forgotten? Maintenant dans le Seigneur. Now in the Lord. Beaucoup ont oublié. Many have forgotten. Amen. Ils sont devenus orgueilleux. They become proud. Amen. Mais comment tu peux devenir orgueilleux? But how can you become proud? Sachant toi-même. Knowing yourself. Que ce que tu prétends être aujourd'hui. That what you're pretending to be today. Ce n'est que la grâce. It's only grace. C'est une faveur imméritée. It's a it's a undeserved favor. You don't deserve it. You don't deserve this. Nous ne méritons rien. We don't deserve anything. Nous sommes humbles.
So be humble. Ah oui, soyons humbles. Be humble. Soyons humbles. Be humble. Sois esclave de ton frère. Be a slave of your brother. Sois serviteur de ton frère. Be a servant of your brother. C'est ce que le Seigneur nous demande. That's what the Lord is asking of us. Il veut qu'on soit He wants us to be servants of one another. Il veut, il est allé même à, tu sais, vous savez, you know, des fois on oublie tellement. That we sometimes forget. C'est pourquoi nous avons vraiment besoin de la révélation. That's why we really need the de revelation. Comprendre chaque parole dont nous lisons dans la Bible. To understand each word that we're reading in the Bible. Yes. Yes. Nous allons revenir aux Éphésiens. We'll come back to Ephesians. Nous avons vraiment besoin. Lisons un peu d'abord ça, après nous allons revenir là. Let's read pour this voir first, comment l'apôtre Paul plairait. And then we'll come back to see how the apostle Paul il really cried. Il a vu la foi. He has seen the faith. Mais il prie encore. But he was praying again. Amen. Il voit que vous croyez. He sees that il you voit believe. Que vous avez l'amour. He sees that you have love. Mais il prie encore. But he is still Amen. Praying. Yes. Regarde. See. Nous pouvons avoir toutes les théories. We can have all the theory. Toute la connaissance. All the knowledge. Toute la foi. All the faith. Mais But, si nous n'avons pas l'amour, without the love, la porte du ciel est fermée. The door of heaven is closed. Yes. Amen. Matthieu 20, Matthew 20, verset 20, verse 20. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui dire une demande. Then came to him the mother of Zebedee's children with her sons, worshipping him and desiring a certain thing of him. Il lui dit, they told him, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle. 21. Que mes deux fils And que voici, sois assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. And he said unto her, What wilt thou? She said unto him, Grant that these two my sons, Jésus répondit, the one on thy right hand and the other on the left. Jésus répondit, Jesus answered, Vous ne savez pas ce que vous demandez. Ye know what you ask. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Are ye able to drink of the cup that I shall drink of? Nous le pouvons, dirent-il. Les disciples ont dit qu'ils vont boire. The disciples said that they will drink it. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Are you able to drink Mais my pour cup? Ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. 23. Et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. And he said unto them, Ye shall drink indeed of my cup and be baptized with the baptism that I am baptized. But to sit on my right hand and on my left is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father. Les dix ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. And when the ten heard it, they were moved with indignation against the two Jésus brethren. Jésus les appela et dit, Vous savez ce que les chefs des nations les tyrannisent, but Jesus, et que les grands les asservissent. But Jesus called them unto him and he said, Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them. Quiconque veut être grand parmi vous, and they that are great qu'il soit votre serviteur. Upon them. Disons Amen. But it shall not be among you, but whoever shall be great among you, let him be your minister. Et quiconque veut être le premier parmi vous, and whosoever will be chief among qu'il soit votre esclave, let him be your servant. Disons Amen. Say Amen. Ça c'est fort. It's strong. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, even as the Son of Man came, non pour être servi, not to be ministered, mais pour servir, but to minister, et donner sa vie, and to give his comme life, la rançon de plusieurs, a ransom for many. Amen. Ça, that, le Seigneur l'a fait, the Lord has done, lui qui est Dieu, he was God, il pouvait, he could, dire que moi je suis Dieu, say that I am God. Venez ici. Come here. Servez-moi. Serve me. Mes esclaves. My slaves. Hein? Vous savez pas?
You do not know que moi je viens du haut. That I come from above, from the heaven. Là-bas, there, on ne fait que m'adorer. They only worship me. Nuit et jour. Night and day. D'éternité en éternité. From eternity to eternity. C'est moi qu'on adore. It's me that they worship. Et venez. So come. Agenouillez-vous là. Go on your knees. Adorez-moi. Worship me. Le Seigneur ne l'a pas fait comme ça. The Lord did not do this. Le Seigneur s'est humilié. The Lord humbled himself. Nous lisons Philippiens 2. We read Philippians 2. Vous savez pourquoi le Seigneur? Do you know why the Lord? Son nom a été élevé au-dessus de tout nom. His name was brought up above all names. C'est parce qu'il s'était humilié. It's because he humbled himself. Amen. Souverainement élevé. Sovereignly brought up. Amen. Voilà ce que le Seigneur veut. This is what the Lord wants. Église. Church. Voilà ce que le Seigneur veut. This is what the Lord wants. Église. Church. C'est ça le modèle. This is the example. The pattern. La Bible dit. The Bible says que des autres frères étaient indignés. That the other brothers were unworthy. No, they were not they, happy. They were, they not were happy. Sad. They were sad. To see the behavior. To see the behavior. Que les autres frères affichaient. That the other brothers had. Parce qu'ils sont venus because they auprès came du Seigneur in front of the Lord pour lui faire une demande. To ask him something. Et ils ont amené même leur maman. And they even brought their mother. Comme quoi, si nous venons avec notre maman, so if we come with our mother, ah, le Seigneur, the Lord, hein, il va seulement accepter. He will just accept it. Amenons notre maman. So bring our mother. Maman, toi, va pas. Mom, go to speak. Il sait, tu vois, le Jésus là qui est venu. You see the Jesus that came. Il fait des miracles ici. He's doing miracles here. Donc il y a personne qui nous résiste maintenant. So there's no one who is resisting maintenant, us now. Now us. Nous voulons être grands. We want to be great. Nous voulons être grands. We want to be great. Quand il sera là-bas. When he will be there. Assis sur son trône. On his throne. Hein, que je sois à gauche, that je I sois may à be droite. On the left or the right. C'est des frères qui veulent être grands. These are brothers who want to be great. Dans Romains 12, nous avons lu, 12, that we read on Monday. La Bible dit, the Bible says, n'inspirez pas ce qui est élevé. Amen. Do not inspire who he is, what is high. Ah. Mais soyez attiré. But be pulled. Par ce qui est humble. Be drawn by those who are humble. Amen. On ne peut dire que ce que nous nous voulons être. We can only say what we want to be. Comme le Seigneur Jésus Christ était. Jesus Christ was. Nous ne voulons pas être autre chose. We do not want to be anything else. Que ce que lui était. Apart from what he was. Le but du message. The aim of the message. Ce n'est pas que nous puissions devenir des religieux. It's not that we may be religious. Comme des pharisiens, as the Pharisees, avec des grosses bibles, with huge bibles, et des longues robes, and long robes, et aimer des premières places dans les synagogues, and they love the first seats in the synagogue. Yes. C'est des ministres. It's the ministers. Et ils ont une place spéciale. And they had a special place for them. Ils ont une nourriture spéciale. They had special food for ils them. Ils ont tout spécial. They have everything special for c'est them. Ça, c'est quel modèle? But what is this pattern? Parce que le modèle du Seigneur, because the pattern of the Lord, c'était lui qui était le serviteur. Is he, he was the servant. Ses disciples. Of his disciples. Amen. Dans quel monde vivons-nous maintenant? In what world are we living? Dans le monde de Jésus? In the world of Jesus? Ou dans le monde des pharisiens? Or the world of the Pharisees? Si nous avons un modèle, if we have a pattern, c'est Jésus. It's Jesus. Amen. Soyons comme Jésus. Be like Jesus. Amen. Comportons-nous comme Jésus. Behave like Jesus. Yes. Isaïe 53. Isaiah 53. Lisons un peu ça, c'est bien. Read this. It's good. Parlons un peu de ces choses. Let's speak of these things. Nous sommes à la fin. We are at the end. Amen. Et nous voulons entrer. And we want to enter. Amen. On n'entrera pas we will not enter avec nos connaissances with our knowledge parce que ça va s'arrêter quelque part. Because it will stop somewhere. Yes. On n'entrera pas we will not enter parce que moi je crois. Because I believe. Non. Amen. On n'entrera pas we will not enter parce que tu donneras tous tes biens aux pauvres. Because you give all your goods to the poor. On n'entrera pas we will not enter parce que tu donneras ton corps à être brûlé au feu. You will let your body be burned Seigneur, in the fire. Seigneur, je t'aime vraiment. Lord, I love je donne you. Mon corps qu'on le brûle. I'm giving my body to be burnt. C'est rien, tout ça là c'est rien. All of that is nothing. Yes. Oh mon Dieu. Oh my God. Oh Seigneur. Oh Lord. Voilà ce qu'il était. Lui. That's what he was. Méprisé. Et abandonné des hommes. Verset 3. Forsaken from men. Homme de douleur et habitué à la souffrance.
He who despises and rejects of man. Semblable à celui dont on détourne le visage. A man of sorrows and acquainted with grief. Nous l'avons dénié. And we are hid. Nous n'avons fait de lui aucun cas. And we hid as it were our faces. Cependant, il a porté nos souffrances. And he was despised and we esteemed him not. Il s'est chargé de nos douleurs. Surely he has borne our griefs. Et nous l'avons considéré comme puni. Yet we did esteem him stricken. Frappé de Dieu. Smitten of God. Et humilié. And afflicted. Mais il était blessé pour nos péchés. But he was wounded for our transgressions. Brisé pour nos iniquités. He was bruised for our iniquity. Le châtiment qui nous donne la paix. The chastisement of our peace. Est tombé sur lui. Was upon him. Et c'est par ses maîtrises. And with his strength. Que nous sommes guéris. That we are healed. Nous étions tous. We were all. Errants. Oui. Six. Comme des brebis. All we like sheep have gone astray. Chacun de nous sait. Each one of us knows. Amen. Là où il errait. Where he will go. No, where he was wandering. Where he was wandering. Lost. Where he was lost. Perdu dans le monde. Lost in the world. Mm-hmm. Mais les bons pasteurs de brebis. Alléluia. Amen. Pastor of the sheep. Oh, les bons bergers. The good Amen. Shepherds. Il était venu à notre recherche. He came in us. Il s'est fait lui-même un homme. He made himself a man. Rectifiant. Il a été manifesté. He was manifested. Dans l'homme. In man. Ah, ça c'est. That c'est un peu la nuance. It's a bit. Parce que Dieu n'est pas devenu un homme. Because God cannot become a man. Ah. No. Mais Dieu a été manifesté dans la chair. Was manifested Amen. In the flesh. Dieu est esprit. God is spirit. Mais Jésus. But Jesus. Était un homme. Was a man. Amen. Mais l'esprit éternel. But the eternal spirit. D'Elohim, le Dieu tout puissant. Elohim, the Christ, God powerful. Christ habitait. Christ lived. Dans Jésus. In Jesus. Comme il est écrit as it is written, dans Colossiens, in Colossians, que il a voulu that he wanted, que toute la plénitude habita that all the fullness live, dans lui. In him. Il lui a dit, he said, celui-ci he est mon fils bien-aimé, is my beloved en son, qui j'ai mis toute mon affection. In whom I put all my love, dont le my fils affection. Était le corps du sacrifice. So the son was the body of sacrifice. Oui, mais but, le corps aussi, but the body ce corps-là du fils, this body of c'était the son, le corps que Dieu avait formé it was the body that, pour body y that habiter formed, et accomplir l'œuvre de la rédemption. And to fulfill the work of the redemption, revelation. Christ entra dans le monde, Christ entered the mais world, Jésus est né. But Jesus was born. Amen. Mais Jésus but Jesus n'était pas né comme nous. Was not born like us. Jésus Jesus était la parole manifestée. Was the word manifested. Amen. Il fallait que l'ange Gabriel, Angel Gabriel had puisse to come, venir had to come, annoncer la bonne nouvelle and announce the good news à Marie. To Mary. L'ange lui a dit, the angel told her, voici que toi, see ye, tu as trouvé grâce behold, you have found aux yeux de Dieu. In the eyes of the, tu es God. Béni you are blessed de toutes les femmes. Of all women. Marie a dit, Mary said, quelle salutation. But what a greeting. Est-ce que je mérite une telle salutation? Do I deserve such a greeting? L'ange lui a dit oui. The angel said yes. Oui, fils, fille de Dieu. Yes, daughter of God. La bonne nouvelle. The good news. C'est que Dieu vous a choisi. That God has chosen you. Amen. Dieu vous a fait grâce. God has granted you Amen. Grace. Dieu God vous a aimé. Has loved you. Amen. D'un amour éternel. Of an eternal love. Et il a dit. And he said, pour l'amour de Sion, for the love of Zion, je ne m'éterrai point. Alléluia. I will not keep quiet. I will keep quiet. Donc le Seigneur so the Lord va nous parler will talk to us jusqu'à ce que just until nous atteindrons l'unité de la foi reach, et la connaissance de Jésus-Christ. We will reach Amen. The unity Amen. Of the faith and Amen. Knowledge of Jesus Christ. Amen. Jusqu'à ce que. Just until. Amen. C'est pourquoi Ephésiens 4:11 est là. That's why Ephesians 4:11 is there. Oui. Il a fait des dons aux hommes. He has given gifts to men. Des autres comme prophètes. There were men as prophets or apostles. Comme docteurs. As doctors. Comme pasteurs. As pastors. Comme évangélistes. As gospel. Mais il y a un evangelist, but there is an aim. Amen. Dieu veut qu'on soit parfait. God wants us to be perfect. Comme lui-même est parfait. As himself, he is perfect. C'est pourquoi il nous parle. That's why he's speaking to us. Jusqu'à ce qu'on comprenne. Just until we will understand. Amen.
Et le Saint-Esprit est là. And the Holy Spirit is there. Pour nous conduire. To lead us. Nous conduire. To lead us. Dans toute la vérité. In all the truth. Amen. Amen. Les hommes qui ont parlé de la part de Dieu, que ce soit dans l'Ancien, whether it's in the Old Testament, oui, que ce soit dans le Nouveau Testament, it's in the New Testament, ces hommes étaient remplis de l'Esprit de Dieu. All these men were filled with the Spirit of God. Amen. Et quand il parlait des oracles, and when he was speaking of the oracles, Dieu envoyait d'abord ses paroles, God first sent à ses serviteurs les prophètes, to his servant the prophet. Dieu choisit toujours un prophète, God always chose a prophet, dans chaque âge, in each age. Et quand il envoie and avec sa parole, with his words, il envoie pour que he will send him le so peuple that soit éclairé. The people may Amen. Be enlightened. Amen. Dieu veut qu'on soit éclairé. God wants us to be enlightened. Esaïe 9. Isaiah 9. Esaïe 9. Isaiah 9. Amen. Verset 7. Verse 7. Le Seigneur envoie une parole à Jacob. Verse 8. Et Israël est éclairé. The Lord sent a word into Jacob and it had lightened upon Israel. Oui. Qui est Jacob? Who is Jacob? Il est le prophète de Dieu. He is the prophet of God. Qui est Israël? Who is Israel? C'est le peuple de Dieu. It's the people of God. Quand Dieu envoie sa parole à son prophète, when God sent his word to his prophet, c'est que le prophète est en relation intime avec Dieu. Amen. The prophet is in an intimate relationship with God. Et Dieu lui révèle des choses. And God reveals him things. Et il y a un seul but pourquoi Dieu le fait. And there's only one aim for why God does it. C'est parce que Dieu veut que son peuple puisse être éclairé, ne soit plus dans les ténèbres. It's so that it's because God wants his people to be enlightened and no longer be in darkness. Parce que le peuple, because the people, qui n'ont pas la révélation, who do not have the revelation, de la volonté parfaite de Dieu, of the perfect will of God, ils marchent sans frein. They are walking without frein. Ils ne comprennent pas les choses de Dieu. They do not understand ils the things of God. Ils ne respectent pas les choses saintes. They do not respect the holy things. Non. No. Ils vont le piétiner. Ils vont piétiner they sur will ça. Step upon this. Et la femme un jour, and the woman one day came to Jesus pour demander du pain, to ask for pour bread, demander la grâce, to ask for grace. Le Seigneur dit non, non. But the Lord said on no. On ne donne pas des choses saintes aux chiens. We do not give holy things to the dog. Mais la femme, but the woman respected ça. Respected Amen. This. Elle a dit, she said, même ceux qui tombent, even those that fall, j'ai I have Amen. Eaten them. Je suis un chien, j'accepte. I am Amen. A dog, I accept Amen. It. Amen. Ça, c'est l'humilité. This is humbleness. Ça, c'est l'humilité. This is humbleness. Yes. Et quand Dieu voit ça dans and ton when cœur, God sees oh là this là. In your heart, il le fait. He will do it. Amen. Amen. Isaiah 53. Isaiah 53. Verset 6. Verse 6. Nous étions tous errants comme des brebis. We were all chacun suivait like sa propre voie. We have turned everyone to his own oh, way. Oh, merci Seigneur. Oh, thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Je comprends. I understand. Le prophète disait, the prophet was saying of our time. Il dit, personne ne peut, quelqu'un ne peut pas apprécier la grâce s'il n'était pas perdu. He said, someone cannot understand the grace, if appreciate the grace if he was not lost. Amen. Il faut être perdu, vraiment you perdu. He really lost. Truly lost, you will appreciate the grace. You know what Jesus said to the Pharisees? Because there was a woman of a bad life who came in the feet of the Lord, and all she done was weep. Weep on the feet of the Lord. And the tears were shed. Oui, la femme se sentait indigne. The woman felt unworthy. Mais les pharisiens étaient là. But digne, the Pharisees, digne, they were all digne. Worthy. They were all worthy. Ils étaient dignes. They were worthy. Oui, ils regardaient le Seigneur. Yeah, they were looking at the Lord. Mais, they were like, s'il était vraiment prophète. If he was really a prophet, il pouvait voir que cette femme, he would see that this woman, c'est une vraie pécheresse. It's a true sinner. Hein? Une vraie pécheresse. A true sinner. Comment? How? Un prophète. A prophet de Dieu of God peut accepter can accept une femme souillée. A woman who's filthy. Devenir au milieu de nous comme ça. To come in the midst of us just des like that. Dignes. Worthy men que nous sommes. That we are.
Et parmi nous, and among us, une femme sale comme a ça. Dirty woman like this. Les pharisiens. The Pharisees. Ils se sentent toujours meilleurs que l'autre. They always feel better than the other. Qui est meilleur que l'autre ici? Who is better than what, the other here? Nobody. Qui peut sauver l'autre ici? Who can save another here? Amen. Amen. Nous avons lu. We have read. Je crois dans Psaume 49. I believe in Psalm 49 one day here. On ne pouvait pas se racheter. We cannot redeem ourselves. No. Un frère racheter son frère. A brother redeeming his brother. Il nous fallait seulement un parent rédempteur. There had to be a redeemer of parents. Qui pouvait compatir. Who could who could love. Mm. Amen. To have pity on us. To have pity on us. Qui pouvait nous aimer. Who could love us. Dans l'état où nous étions sales. In the time where we were unclean. Mais nous a aimés comme ça. But he has loved us like this. En nous imputant pas nos péchés. And imputing us by our sin. Mm. Yes. Il n'a pas compté. He did not count. Amen. Mais il a aimé au point. But he loved us to the point. De donner sa vie. Of giving his life. Amen. Il a donné sa vie. He gave his life. Amen. Hein? Et lui-même a dit. And he said himself. Qu'il est le bon berger. That he is the good shepherd. Il donne sa vie. And he gives his life. Pour ses brebis. For his sheep. Amen. Esaïe 53. Isaiah 53. La Bible dit que nous étions des brebis. The Bible said that we were sheep. Hein? Nous étions errants comme des brebis. We were stray like chacun sheep. Suivait sa propre voie. Each one. Et l'Éternel a way. Frappé pour l'iniquité de nous tous. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Amen. Il a été maltraité, opprimé. Seven. Et il n'a point ouvert la bouche. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Today. Si tu touches seulement un frère. If you just touch a brother. On joue pas avec moi, hein. Do not play with me. Vous savez pas. You do not know. Qui je suis. Who I am. Qui es-tu. But who are you. Tu n'es rien. You are nothing. Amen. Tu n'es rien. You are nothing. Amen. Tu n'es que du sable. You're only. Tu n'es que poussière. You're only a sand. Only the sand. Poussière qui va retourner à la poussière. A sand that will return to the sand. On n'est rien. We are nothing. C'est qu'il y a quelque chose. If someone is something, c'est d'avoir l'esprit. Is to have the spirit. Ah, l'esprit de Christ. The spirit of Christ in you. C'est ça être quelque That's chose. Being something in this world. Même des milliardaires. Even the billionaires. Même des savants. Even the ones who know. Ils peuvent faire toutes sortes de technologies. They can lose all technology. They can create some great things here. They can create great things here. Mais ils sont rien. But they are nothing. Sans le Saint-Esprit de Dieu en eux. Without the Holy Spirit of God in them. C'est ça. Être quelque chose. That's being something. C'est être une nouvelle créature. To be a new creature. Amen. Amen. En Christ. In Christ. Amen. Ça, c'est that, quelque chose. That is being something. Yeah. Semblable à un agneau qu'on met dans la boucherie. He is brought as a lamb to the slaughter. Et à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. And as a sheep before his shepherd. Il n'a point ouvert la bouche. So he openeth not his mouth. Ça, ça doit être notre nature. That must be our nature. Amen. Oh, que le Saint-Esprit de Dieu. May the Holy Spirit of God soit en nous. May be in us. Prions vraiment. Amen. Really pray. Que le Seigneur nous donne de son esprit. That the Lord may give us his spirit. Amen. Prions. Pray. Implorons la grâce de Dieu. Amen. Implore. Pour qu'on voie la vie de Jésus-Christ. Implore the grace of God so that we may see the life of Jesus Christ. Que cette vie-là soit manifestée en nous. This life may be manifested in us. Que Dieu nous aide. May God help us. Que Dieu nous aide. May God help us. Galates 5. Galatians 5. Amen. We'll finish. We'll finish soon.
Verset 7. Verse 7. Vous couriez si bien. Ye did run well. Vous couriez bien. You ran well. Qui vous a arrêté? Who did hinder you? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. That you should not obey the truth. Cette influence ne vient pas this de celui qui vous appelle. This persuasion cometh not of him that calleth you. Un peu de levain fait lever toute la pâte. A little leaven leaveneth the whole lump. J'ai cette confiance en vous. Dans I have confidence in you through the Lord. Que vous ne penserez pas autrement. That you will not be none other. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, apportera la peine. Shall bear his pour judgment. Mon frère, si je prêche whoever encore la circoncision, pourquoi suis-je and I, brethren, if encore persécuté? Le scandale de la croix. Why do I yet suffer persecution? A donc disparu? Puisse-t-il être retranché? Ceux qui mettent le trouble parmi vous. I would they were caught off which trouble you. Vous avez été appelé à la liberté. For brethren, you seulement ne faites pas de cette liberté only use un prétexte de vivre selon la chair. For an occasion to the flesh. Mais but rendez-vous by love, par l'amour serve one serviteurs another. Les uns des autres. By love, serve one another. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Is fulfilled in one dans word. Celle-ci, even in this, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Thou shalt love thy neighbor as yourself. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, but if you bite and devour prenez one another, garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Be not consumed one of je dis donc, marchez selon l'esprit say, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. You shall not fulfill the lust of the flesh. Car la chair a des désirs contraires for the lust à ceux de l'esprit. Against the spirit. Et celui and the et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. And the spirit against ils the sont flesh. Opposés amen. Entre eux contrary the one afin to que another. Vous ne fassiez point ce que vous voudriez. So that you cannot do the things that you would. Si vous êtes conduit par l'esprit, if you are led of the spirit, vous n'êtes point sous la loi. You are not under the law. Verset 15. Chapitre 6 de Galates. Of chapter 16. Verset 15. Verse 15. Galates 6, 15. Galatians 6, 15. Car en Jésus-Christ, for in Jesus Christ, ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Neither circumcision availeth anything. C'est qu'il y a quelque chose. Nor uncircumcision. C'est d'être une nouvelle créature. But a new creature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. And as many as walk in according si to the Israel Lord, de Dieu. Peace be on them and mercy and upon the Israel of God. Amen. Que Dieu soit loué. May God be praised. Aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. Today amen. We are children of God. Amen. Et vivons comme des enfants de Dieu. And living as children of God. Finissons dans Romains. Let us finish in Romans. Amen. Finissons dans Romains 13. In Romans 13. Verset 8. Verse 8. Ne devez rien à personne. Amen. Owe no man anything. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. But to love one another. Car celui qui aime les autres. For he that loveth another. A accompli la loi. Has fulfilled the law. En effet, le commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Thou shalt not commit adultery. Tu ne tueras point. Thou shalt not kill. Tu ne déroberas point. Thou shalt not steal. Tu ne diras point de faux témoignages. Thou shalt not bear false witness. Tu ne convoiteras point. Thou shalt not covet. Et ce qu'il peut encore y avoir. And if there is be se résume dans cette parole. It is briefly comprehended in this saying. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Thou shalt love thy neighbor as thyself. L'amour ne fait point de mal au prochain. Love worketh no ill to neighbor. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Therefore, love is the fulfilling of the law. Amen. Pourquoi? Why? Cela importe d'autant. This. Plus que vous savez en quel temps nous sommes. And that knowing the time that now it is high time. Le retour du Seigneur est proche. Le retour du Seigneur est imminent. It is imminent. L'apôtre Jean, the apostle John, l'apôtre Pierre, the apostle Peter, l'apôtre Paul, apostle Paul, et tous, all of them, ils parlent le même langage. They speak the same language. Amen.
Le retour du Seigneur est proche. The return of the Lord is near. Amen. Va quoi à la prière. Watch over prayer. Aimons les uns les autres. Love one another. Parce que là, because there, au ciel, in heaven, seul l'amour parfait entre. Only the perfect love will enter. Amen. C'est l'amour parfait. Alors il dit, so he says, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps de distraction. Ce n'est plus le temps de nous donner aux choses du monde encore. The time to give abandonnons the les choses du monde. Forsake the things of the world. Concentrons-nous aux promesses de Dieu. Concentrate on the things et prions par le Saint-Esprit. And pray by the Holy Spirit. Nous remplit de son esprit. So that God fills us with His Spirit. So that this word puisse faire chair en nous. May be made in us. Que la volonté de Dieu devienne notre volonté. That the will of God may become our will. Que la parole de Dieu devienne notre parole. That the word of God may become our word. Que ses voix deviennent nos voix. Become our ways. Que rien que la vérité ne puisse sortir de nos bouches. Nothing but the truth come out of our mouth. Qu'on se dise la vérité dans l'amour. That we may say the love in the truth. Nous devons user de prévenance les uns les autres. We must have we should counsel each other. We should counsel each other. But in love. But in love. Dans la douceur. In gentleness. Ah, pour que ça rentre. That may it may enter. Amen. That may penetrate our hearts. Penetrate our hearts. Amen. Amen. And he says, le salut est plus près de nous. Et lorsque nous avons cru, nearer than when we believe. La nuit est avancée. The night is advanced. Les vierges. The virgins. Vraiment, il était minuit. It was midnight. C'est là that's que where tous s'endormaient. All of them were sleeping. C'est là that's where que le coup était venu. The bridegroom came. Ils étaient tous fatigués. When they were all tired. Ah, il ne viendra plus. He will not come anymore. C'est là qu'il était venu. That's when he came. Il viendra comme un voleur dans la nuit. He will come as a thief in the night. Et la vie peut s'arrêter à tout moment. And on peut mourir à tout moment. We can die in all moment. Alors préparons-nous et soyons so prepare ourselves. Prêts. Be ready. Amen. Soyons prêts. Be ready. Parce que l'heure est avancée. Because time is far gone. Les jours approchent. Quel jour? Le jour du Seigneur approche. The day of the Lord is coming. Où il viendra prendre son épouse. And take his bride. Amen. Épouse. Bride. Sois prête. Be ready. Amen. Car because l'époux viendra à l'heure que tu ne vas pas t'attendre. And the time that you will not wait. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. May God bless His word. Que Dieu nous bénisse tous. May God bless us all. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. In the name of Jesus.